Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village. En compagnie de moi-même, évidemment, et de vous qui me regardez. N'oubliez pas, comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, un casque, des écouteurs. Profitez de la 4K 60 FPS. Et si vous pouvez mettre un like et un commentaire, vous savez que ça fait toujours plaisir. Vous êtes tellement nombreux à m'envoyer sur mon Instagram, MrBboy45YT. Attention, on m'a volé mon pseudo. C'est pas très cool d'ailleurs. À m'envoyer plein de DM. Et je lis toujours vos DM Instagram. Je vous mets en story et tout. Vous êtes incroyables. Vous êtes tellement beaux et belles tous. C'est totalement fou. Merci à vous de me suivre. Vous êtes phénoménal et vous transformez cette aventure en quelque chose d'à chaque fois d'unique. Petite pub d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous aimez les aventures horrifiques, à aller voir l'aventure The Last of Us 2 proposée aussi en 4K 60 FPS. Elle est tout simplement incroyable et croyez-moi, mesdames et messieurs, vous ne serez clairement pas déçus. J'ai pas vu un petit truc briller là, non? C'est toujours les effets de contre-jour, c'est assez terrible. Donc, merci à tous ceux qui me suivent, qui m'envoient plein de messages sur Twitter, Instagram, etc., etc. Vous êtes tellement beaux, mignons. Il y en a plein qui m'envoient des messages vocaux, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Vous êtes tout simplement... J'adore, voilà, je vous lis, je vous écoute, je vous réponds parfois aussi. Donc, ça fait toujours très plaisir. Et Tekken 7 qui se met à jour, ça fait aussi plaisir. Ça, c'est pour distribuer des tatanes. Ouais, bah, écoutez, je vous le dis, quand je suis trop en stress et que j'ai besoin de glisser des high kicks ou des mawashigiri, hop, on lance un Tekken 7, ça fait plaisir. Allez, on est parti pour la suite de nos aventures qui se passaient dans cette ventilation. Et on va découvrir ce qui nous attend. Donc voilà, c'était le petit moment. Ah bah épisode 20, faut fêter ça d'ailleurs. Aventure bien plus longue que Resident Evil 7. Et ça c'est encore plus fou. Quel bonheur. On manque de munitions, ça c'est très embêtant. On va, je pense... Oh bah dites donc. Qu'est-ce qu'on a là? Tiens. Encore what? Hop. Allez, on s'écarte. Ouais bon, il a pas peur, hein. Il a pas peur. Oh. Ah, dites donc, si on pouvait trouver des richesses comme ça aussi facilement, ça vaut le coup d'acheter des bons tuyaux, si je puis me permettre. On n'a plus rien, là? Incroyable, j'ai dû trouver 20 000, là, non? Ouais, j'ai un petit 20K, quoi. De quoi partir à Dubaï et devenir influenceuse modèle, j'ai envie de dire. On embrasse Dubaï. On embrasse les Dubaïens et les Dubaïennes, évidemment. Oh, on a quelque chose avec des petits boutons ici. Je suis très en forme aujourd'hui. Bah écoutez, c'est l'épisode 20. De toute façon, je suis toujours en forme. Ça, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est le ventilateur? On a un ventilateur? Oui, on a un beau ventilateur. Oh, regardez. Attendez, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, ça, ça dégage. Par contre, alors, gâcher une balle de snipe. De snipe. Dès que je parle, il y a un truc qui va tomber ou quoi? Peu de respect! Deux balles de snipe. Non mais on me troll là, c'est pas bon. Non. Non mais... On me troll là ou... c'est... Non. Mais c'est incohérent là ce qui est en train de... ça tombe de tous les côtés, mais qu'est-ce qui se passe, dites donc? Ok. Il reste quoi? Ok. Il en reste à l'autre bout. On va y aller. Non mais le bruit des débris, c'était tellement bien fait, je pensais qu'on me trollait, hein, j'avais un doute. Wouh! Wesh les gars! Un autre modèle! C'est quoi ça, mon ref? Ah, attendez! Oh. Qu'est-ce que c'est, cousin? Alors. Je n'étais donc pas préparé à cela. Ok. Ah ah. Oh, je suis mort. Ok. Possible, mon ref. Allez hop, voilà. Ah, rien à péter. Hein. Là, on est à un niveau de jeu tel que
Mais c'est quoi? Oh les gars, c'est des T-800 ou quoi, mon frérot, qui m'attaque là? Manque plus qu'il y a un mec qui me dise I will be back et j'y croirais, sérieusement. Laissez-moi tranquille. Ok. Donc comme je disais, non, c'est marre de ces bruits, putain. Ces bruits totalement aléatoires, c'est que quand je parle, c'est incroyable. Ok, là on peut casser quelque chose. Comme casser des gueules. Ouais, oh, bah, hé, hey, en vrai, pas moi, Zinedine. Oh non, les bâtards. Oh non, Ethan, lève ta tête un peu plus haut tout de même. Non, c'est pas grave. En vrai, j'aurais pu tricher en utilisant le lance-grenade, mais on n'est pas des forceurs à ce niveau-là. Pas encore, en tout cas. Ok, on a encore pas mal de trucs ici qui traînent. Là, on peut tomber. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Je sais même pas c'est pour aller où, tout ça. Alors, balle de pompe. Ouais, bon, je préfère faire ça. Hein. Ok, il va se passer quoi? Très bien, ça. Là, ce trou. Ce trou-là, je vous le dis, hein. Comme disait Gilbert Montagnier, pas vu, pas pris, mais quand même. Faut faire attention, hein. Oh, waouh. Non mais attendez les gars, oh, c'est quoi votre usine? C'est pas des hélices, c'est des lames de rasoir là frérot, qu'est-ce que t'as fait? Ok. Je sais pas là, je vais en enfer, hein. Écoutez. Ok, ouais, va sûrement y avoir un petit méchant. Ok, pas de trésor, j'ai pas... Pas l'air de voir de trésor. Très bizarre. Très bizarre cette pièce. Il va se passer d'autres choses. Je vous le dis. Oh là là. Ça y est, ça commence. El famoso bouche pâteuse. Et là, pour ne rien vous cacher, le doute m'habite. Projet d'amélioration du soldat. Nom de code soldat jet. J'ai attaché un réacteur dorsal et des stabilisateurs à un soldat pour améliorer sa mobilité. Résultat, capacité de vol limitée. Incapable de parcourir de longues distances, mais peut survoler des terrains accidentés. Projet d'amélioration du soldat nom de code, soldat Panzer. J'ai ajouté un blindage en aluminium à un soldat pour protéger son réacteur thoracique et la partie exposée de sa chair. Résultat, invincible contre les armes à feu ordinaires. L'armure a tendance à se détacher en cas de choc important. Il faut poursuivre le développement. D'accord. Ouais, donc on va affronter un gars indestructible. Ok, plan de l'usine niveau supérieur, ça on adore. Très bien. Très très bien. Wow. Ça c'est explose. Il y a une porte. Donc, on va tranquillement y aller. Oh là là, ça s'arrête pas, dis donc. Ok. C'est pas passé loin. Tu l'as dit, Puffy? Oh. Eh, attendez. Non, là, je suis désolé, c'est pas possible. Je vais pas utiliser... Ouais, s'il vous plaît, un petit peu de respect, tout de même. Je vais quand même pas utiliser des balles. Voilà. De pistolèche. Pour ça, quand même. Oh, ça vaut le coup, mais enfin, quand même. Ok. Très, très bien. On est posé. Oh, bah, dites donc. Une petite chèvre. Non. Non. Ah, voilà. Non, là, ils abusaient, si on prend tout cela, bien sûr, oui. Ok. On est bon? On est bon. Allez, let's go, on continue. C'est pas du tout ce qui m'attend. Mais on y va, on s'enfonce en enfer. Alors, au niveau visibilité, comment ça marche chez vous?
Ok, très sympa d'avoir mis une échelle ici, hein. Je me doute que beaucoup de gens doivent emprunter cette échelle. Oh putain, il y a une autre échelle. Ok. Très bien. Je suppose que cette petite porte des familles va nous emmener à un endroit fort intéressant. Bon! On a rien. On a quelque chose. Alors. Écoutez-moi bien. Ça, c'est fait. Hein. C'est pour Bibi, ça, c'est dans la poche. On n'en a jamais trop. Je ne peux rien faire avec ça. Je commence à croire que finalement, si vous voulez mon avis... Vous voulez mon avis ou vous en battez les couilles? Je peux comprendre si vous en battez. Bientôt, elle commencera sa cérémonie avec ta rose. Si ça se produit, c'en est fini. Pour ta fille et pour tout le village. Mais ne t'en fais pas, je l'en empêcherai. J'utiliserai Rose pour tuer Miranda. Pauvre papa, tu es le seul à ne pas voir le pouvoir de ton propre enfant. Tu veux Rose? Essaie un peu pour voir. Oh, Ethan, il va essayer, hein. T'étais peut-être pas obligé cette punchline. C'est pas la meilleure que t'es sortie, là. Il va essayer, il va totalement essayer. Est-ce qu'il va réussir? Bon. Ça dépendra de ce qui va se passer. On a un moule! Oh, dis donc. Non, on va peut-être pas utiliser. C'est peut-être un peu too much, un lanceur. Oh, dis donc. Alors! On a un moule. On va pouvoir faire la clé avec la tête de cheval, mon ref. Bonsoir. Quelqu'un là-dedans? Attends. Parce qu'en vrai... Ah, mais je peux plus remonter. Ça m'oblige à faire les tours. Mais en vrai, je pense que là où il y avait la brèche dans le mur, c'était cassable avec une grenade. Je suis peut-être à côté de quelque chose. Ça continue. Ça ne s'arrêtera jamais, Ethan. Tu sais bien qu'ici, on est en enfer, voyons. Ok. Hop, on amène le vendeur ici, c'est la femme. Allez, viens, mon frère. Ok. Ouais, d'accord. I have tout compris. Là, on a quelque chose. Très bien. Allez, le vendeur! Let's go! Apparaît tout de suite! Merci. Oh, il est balèze de ouf, hein, sa mère. Hein. Il a bien mangé, lui, à la cantine, celui-ci. Vous voulez hein. acheter quelque chose? Allez, fais-moi rêver. T'as quoi, là, en stock? Moi, j'ai ça en stock, si tu veux. J'ai ça en stock, si tu veux. J'ai aussi ça. Voilà, t'en fais ce que tu veux. Du quartz jaune, bon, oui, s'il vous plaît. Ça aussi, s'il vous plaît. Attendez. Cœur mécanique, pièce cylindrique, on garde. On est bon? On est bon. Ça devrait suffire. Ouais, bon, ça suffit toujours, comme on dit dans le milieu. Allez, voilà sur les filles. Je peux racheter des pistolets riches. Putain, mon pompe, il était bien quand même. Je commence à croire... J'hésite à écho encore. Wow, une petite folie. C'est vivre. Manger, c'est vivre. Je suis toujours aussi d'accord avec toi. Toujours, il manque du poisson, et ça, c'est terrible. Bon. Merci de votre visite. De rien, mon pote. De rien. On va save, direction le premier étage. Comme ça, on va mouler, évidemment. On va mouler sale. On va mouler la moula. Et après, on remonte, parce qu'on a deux clés qui s'offrent à nous. Dont une en bas et une en haut. Et ça, c'est plutôt incroyable et giga stylé. J'ai hâte. Ok. Alors. C'est par ici. Oh non. C'est sombre. Oh non. Excusez-moi.
Excusez-vous. Excusez-nous. Il y a quelqu'un? J'ai peur. Allez, vas-y. Encore? On va commencer à me casser les couilles plus là. Pas que ça a foutre, hein. Connerie de merde là. On est où là? Oh! Oui, je le dis, monsieur, vos conneries de merde! Ok, ça c'est moins sombre. Attendez, il y a quelque chose derrière. Oh, vous avez entendu? Ça c'est pas un dentiste, hein. Oh non! Non, j'en ai marre. Attendez, c'était bien au premier étage qu'on faisait des moules, si je peux me permettre. Pas fou. Là, je commence à devenir ricrate comme Rick Ross. Ok. Ok, j'aime pas les tournures que ça prend là. Hein. J'aime pas du tout. Où était la tête de cheval? Allez, moule-moi ça. J'aime pas ça du tout. Hein. C'est le cheval? C'est un cheval. C'est certifié et authentique. Attendez, parce que là. Il y a encore quelque chose que j'ai oublié ici. Et cette fois-ci, j'ai pu me faire avoir. On va fouiller en bas. Parce que là, je vous le dis que... Le doute... m'habite. Comme toujours, hein, évidemment. C'est un classique maintenant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, la tête de cheval, c'est là-haut. C'est peut-être que il y aura un dernier moule à faire. Je ne sais pas. La tête de cheval, c'était là. Est-ce qu'on craint réellement quelque chose? Oui, totalement. Là, il n'y a pas un gars dedans quand même, si. Ah. Voilà. Commence à me casser les couilles, j'ai dit. Voilà. Un petit peu de respect, s'il vous plaît, d'accord. La ferraille, de la poudre. Très très bon. On a peut-être le dernier de la ferraille encore. Again and again. Ok, c'est bon, on a la dernière pièce de notre trésor, et ça, c'est plutôt cool. Je sais pas du tout ce que ça va faire, ça fait quelque chose... Ok, ça fait un marteau, hein. On va appeler ça un marteau. C'est le marteau d'Heisenberg, évidemment. Un marteau géant fait de pièces mécaniques. On embrasse tous les géants. Ok. On a quelque chose encore là-haut, hein. On a des choses quand même à cet étage. On a des trucs en bas et tout. Putain, c'est terrible. On a encore un truc tout en bas. On va check quand même.
Ça vaut peut-être le coup d'œil. Qu'en dites-vous? Attendez. Revoir quelque chose. Ah, ça va être horrible les contre-jours. On est à la recherche de trésors. Vous savez qu'ici on essaye de bien faire les choses. Des fois, je crois voir des trucs, mais... Attendez, on va essayer de check là. Oh, voilà. Let's go, ça s'est fait. Bien planqué, je t'avoue que celle-ci, j'étais point prêt. On peut se tirer. Ça s'est fait. Je vais aller checker si par la même occasion, j'ai pas perdu... J'ai pas oublié encore quelque chose, je pense. J'ai vu une pièce. Ah, on fait les choses bien. Résultat, on a eu un beau trésor. Je pense que ça valait le coup, hein. Deuxième étage, hein. On n'oublie pas aussi. Hein. Deuxième étage, il y a un bail. Là, il n'y a plus rien. Il y a encore un bail en bas. Genre là. Non, pas là. J'ai menti. Mais là. Ici, on a quelque chose. Bon, pas là. J'ai menti. Mais là. Ici, on a quelque chose. Ok. Ici, on a quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? J'en ai aucune idée. Ça, on a fouillé. Ça peut tellement être partout, c'est horrible. Vous savez, des munitions, c'est des mines, hein. Moi, je prends. Hein. Ah. C'est fait. Ok, on peut se tirer. Bah, en vrai, autant faire demi-tour, je sais pas vous. C'était par là. Ok, c'était encore par là. Je regarde très souvent la carte, c'est pour voir si justement, dès qu'il y a quelque chose de rouge, ça veut dire qu'on a oublié un item. Bon, je vous apprends rien, vous êtes des machines, enfin, vous m'avez compris. Attendez. Ça, on l'avait fait, ce trou. Très bien. Nous voici ici. Putain, où ça peut être? Machine de couler. Ah, il y avait derrière. Putain, j'ai oublié aussi. Ouais, bon, là, faut pas le céder. On a quelque chose ici. Bon, allez. En vrai, on va faire une petite vue comme ça. Ok. Là, il n'y a plus de... Ah si, on a une porte à ouvrir. Petit coquin. Ah non, c'est l'entrée. Non. C'était pas l'entrée. Si, c'est l'entrée, je crois. On a une salle d'opération. D'accord. Ça peut valoir le coup. Allons checker cette salle d'opération. Parce que là, clairement, j'ai une sacrée suspicion. Voilà. Merci bien. Incroyable. Heureusement qu'on a check, hein, je vous le dis. Hein. Là, va y avoir un probotector ou une connerie comme ça. Ok. Très très fort. Toi t'es très fort. Stop frérot. C'est incroyable.
sable. Voilà. Oh, gros, ça pue pas. En plus, ça pue sa mère, ce que tu me donnes. Enregistrement de l'opération de revitalisation. Ceci est ma 18e tentative. Le sujet est Oscar le Palefrenier, âgé de 20 ans. Il est tombé dans le puits alors qu'il était ivre. Le corps est en bon état. Incision thoracique terminée. Je vais retirer le cœur et les organes vitaux et implanter l'appareil de contrôle. Excellent. Le cadeau a commencé à adhérer au système nerveux. Il progresse encore plus vite qu'avant. On dirait que j'ai bien fait d'augmenter la quantité de méta-albumine dans le sang artificiel. Maintenant, il faut que je fasse passer un courant de 6600 volts dans le tronc cérébral. Allez, faut que ça marche cette fois. Ouais. Oui. Magnifique. Ma création. Enfin. Cette carte va avoir ce qu'elle mérite. Fin de l'enregistrement. Ok, donc il veut juste... Bah, vous l'aurez compris, hein, démonter Miranda dans les règles de l'art, toujours dans les règles de l'art. Ok, me dis pas que c'est pour le Deagle, ça, mon petit pote. Attends, tu m'as mis ça où, là? Bien sûr que si, c'est pour le Deagle, bordel de merde, bien sûr que si. Ok. Bien sûr que si, c'est pour le Deagle. Je vais envoyer des patates. Ok. Incroyable. Attendez, on peut le voir quand même, parce que... Non, il a l'air dingue. Ça va envoyer des... C'est le même. Enregistrement de l'opération de revitalisation. Toujours le même. Ceci est ma... Très bien. Très bien. Tentative. On a tellement bien fait. Je cours aussi un bail. Je vous préviens, je cours très vite. Ok. Bon. Ça, c'est fait. Est-ce que réellement... Il nous reste quelque chose à fouiller, à part ici. Mais alors ici, je comprends pas comment on avait accédé là. Il y a le marchand qui plus est. D'accord. On va retourner au marchand, c'est ça? On va retourner au marchand. Et on va voir, parce que là vraiment j'ai un doute sur... il est en face d'un marchand, mais le seul marchand ici, c'est le marchand de l'ascenseur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai, j'avais oublié ce petit passage très sombre de ma vie. Ok. On est bon? On n'est pas bon. On n'est pas bon. What? Il est balèze. Il est balèze. Attends, petit fils de pute, hein. Attends. Là, tu veux me ridiculiser, moi en live. Eh ben, tu vas... Moi en live. Moi en live. Répète. Moi en live. Répète. Wouh. Il va le faire. Bon, on l'a refait. Je vois qu'on s'est pas très bien compris. Moi en live. Non, c'est pas possible. Moi en live. Ah bah putain. J'en fallait combien, mon ref? Ok, cœur mécanique, parfait. Et ben nickel. Terrible le nombre de balles qu'il m'a fallu. Attends, on l'a sorti là, les refs. Non. On l'a refait. Moi en live.
Ça commence à faire beaucoup là, hein. Bah, j'ai plus de ressources, moi, hein. Là, je peux plus. Bon, on a rigolé, d'accord. Mais là, je. Tu vois. C'est out of control. Ok. Là, on est sur. De la smoke de catégorie professionnelle. C'est bon, c'est bon. Ouh, bah alors. Et je suis pas une seule fois rentré ici, bah dites donc. Regardez. Incroyable. Ah putain, j'ai pas la boule. Et est-ce que je peux le dire que là j'ai les boules? Ok. Là. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, c'est pas une table qui va me casser les couilles là, hein. Attends, oh les gars. Si, c'est une table qui va me casser les couilles, c'est évident. Il y a un bas ici, il était censé y avoir un man derrière peut-être, je sais pas. Bon, on a le labyrinthe ici, mais il me manque The Pause. Ok, écoutez, c'est la fin de cet épisode. C'était incroyable, comme d'habitude. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure avec l'épisode 21. Bisous tout le monde! Ciao, ciao!